bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Days Gone avec l'épisode 39 comme d'habitude. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, ce n'est pas le voisin qui le fera pour vous. Installez-vous confortablement, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble et kiffez un maximum en espérant comme d'habitude aussi que vous passez un agréable moment dans ces fêtes de fin d'année. Allez, direction directement le No Man's Land où on avait une horde à affronter et je vais pas vous mentir. Quoi? Je peux déjà faire nouvelle partie plus? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est bizarre. On doit être, je pense, proche de la fin du jeu. On a une horde à affronter. J'ai pas envie de l'affronter. J'ai envie vraiment de la jouer chill pour cette fin de Days Gone. Donc je pense que exceptionnellement, pour le coup, juste le temps de la horde, on va repasser le jeu en mode facile. On fait la horde et on repasse en normal. J'aurais pu vous le cacher, j'aurais pu le faire en scred, mais vous êtes pas con et puis ça m'intéresse pas. Je ne fais pas ce genre de pratique. Donc on va le passer en mode facile devant vous, tout simplement. Protéger ce camp, rouler jusqu'à Iron Battle Ranch. Donc, nous avons apparemment une horde pas très loin. On va passer le jeu en mode facile, exceptionnellement, gameplay normal, facile. Voilà, comme ça, il devrait tomber un peu plus rapidement et surtout être un peu moins nombreux. Je m'en fous qu'il tombe rapidement ou non, c'est surtout le nombre. Les hordes, c'est pas très intéressant pour ça, malheureusement. Et en plus, on est de nuit, c'est un sacré merdier. Et attendez, hein, c'est même pas sûr qu'en mode facile, c'est même pas sûr qu'en mode facile, je le fasse sans trop de problèmes. Hé! Merde, non! C'est une horde, putain! Il faut que je libère la voie avant l'arrivée de Ricky. Bah oui. Oh, elle va l'attirer vers nous, non! Bah oui. Hé, Boozer! Dis à Ricky que ça va prendre un petit moment, parce que il y a une horde qui fait une pause déjeuner, on peut lancer notre chemin. Une horde? Ricky et moi, on vient de te donner un coup de main? Non, non! Ah si, si! J'ai appris à mes dépens qu'il vaut mieux se la jouer en solo dans ces cas-là. Ça risque de partir en couille si on s'y met à plusieurs. Ouais, ouais, d'accord. En plus, Ricky m'a dit que t'étais chef de la sécurité maintenant, c'est bien ça? Alors quoi, t'es pas censé, je sais pas, rester au camp, faire voyer ton badge, donner des ordres, des trucs comme ça? Ah oui, j'ai oublié de demander un badge à Mike. Non, enfin bref. Maintenant que Mike est plus là, alors ferme-la, j'ai pas le temps. Okay. Bon, on va pas courir. J'ai déjà bien niqué la horde. Ouh là là. Ouh là là. Eh ben voilà. Hop, c'est bon, des petites claques qui réveillent dès le matin. Alors attendez les gars, par contre, là ça va être fort embêtant. Suivez-moi s'il vous plaît. De toute façon vous me suivez, je vous connais. Hop, ça brûle. Le feu, ça brûle. Aïe, aïe. Est-ce que on fait comme si on n'avait rien vu, s'il vous plaît? Je pense que ça va pas être trop compliqué à la faire, mais juste faites comme si vous avez rien vu, d'accord? Ça va prendre un petit moment, parce que... C'est vraiment un coup de main à prendre, hein, c'est vraiment du hit and run. C'est assez terrible à ce niveau-là. Non, non. J'ai appris à mes dépens qu'il vaut mieux se la jouer en solo dans ces cas-là. Ça risque de partir en couille si on s'y met à plusieurs. Ouais, bah d'accord. En plus, Ricky m'a dit que... Allez, raccroche. ...chef de la sécurité maintenant, c'est bien ça? Alors quoi, t'es pas censé, je sais pas, rester au camp, faire voyer ton badge, donner des ordres, des trucs comme ça? Ah oui, j'ai oublié de demander un badge à Mike. Non, enfin bref. Maintenant que Mike est là... Bon bah je laisserai jamais parler hein. Hop, ça marchera jamais cette connerie. Oh. Quoi? Mais c'est injuste, mais arrête. Je reconnais ça. Ah ouais, mais ils prennent des raccourcis aussi. Aïe 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 aïe. Endurance épuisée. Quel bonheur! J'arrive. Je suis à bout dans pas longtemps. J'attends que ça se recharge. Alors, par où va-t-on passer? C'est une belle horde hein, qu'on a juste derrière nous. Ok, j'ai ma petite idée. Il y en a qui courent plus vite que d'autres, j'ai l'impression.
c'est rien, c'est rien. Jamais paniquer dans ces moments-là. Vous voyez, c'est vraiment un coup de main à prendre, mine de rien. Et on a tendance à oublier ces choses-là. Allez, go. Go, go, go. Go, go, go aussi là. Ok. Et ben, hop. On va passer par ici. Oh, c'est pas mal ça, j'aime bien. J'aime beaucoup, regardez. Aïe! C'était mérité. C'était mérité. C'est tout à mon honneur. Voilà, pas de soucis. Bon, ça va être facile, hein. Vraiment, on est en mode facile. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Et au moins, on aura fini le jeu pour cette fin d'année. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Ils envoient littéralement toutes les hordes sur nos gueules pour la fin du jeu. Et en gros, tu fais horde sur horde. Est-ce que c'est passionnant? Je suis pas fan. J'avoue que c'est pas le gameplay que je préfère de Days Gone, de faire des hordes. Pour être très franc avec vous. C'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, on va pas se prendre la tête. Ça c'est pas très gentil ça. Bon bon bon. Hop, une petite calotte de mémoire. Ah bah attends, lui il s'est perdu. Ouais bah oui non, là ça va. Les gars, non. Attends. Ok. Je vais... En fait, c'est n'importe quoi. Un coup, ils courent plus vite que toi. Après, ils arrêtent de courir plus vite que toi. Bon, allez. Hey. C'est bon. Pas venu ici pour soutenir les payes. Voilà. Allez, dégage. C'est bon. Il en reste quelques-uns ou pas? Ben oui, qu'il en reste quelques-uns. Voilà. Et voilà. Allez, juste avant qu'il continue... Option, gameplay, et on repasse en normal. Voilà, je vous cache rien, je vous cache rien. Oui, je l'ai fait, mais... Oui. Allez, on se prend pas la tête, oh, d'accord. Oh, la vache. En vrai, ça avait pas l'air d'être une horde gigantesque. J'aurais pu la faire en 2-3 tentatives, je pense, en normal. Mais encore une fois, on la joue tranquille. On a une surprise pour toi, mon pote. Oh, génial. Super, j'ai hâte. Terminé. Eh ben, c'est pas mal. Qu'avons-nous là? Oh, tu vas bien me servir. Je sais pas du tout c'est quoi. Cap d'alimentation, bah bien sûr. C'est génial. Très bien, très bien, très bien. On avait aussi des voitures explosives. Mais attends, mais où est ma moto? What the fuck? À quel moment la moto était à 200 mètres? Non, attendez, je me suis fait... Qu'est-ce que c'est? Les gars, ma moto? Respectez-moi! Ah non, elle est là. Oh, j'ai eu tellement peur! J'ai cru qu'elle était à l'autre bout de la map. Ça va pas, ça, hein? Allez, go. Ouais, tellement simple, les hordes de Days Gone. Je veux dire, c'est même pas un problème de gameplay, en fait. C'est juste de la simplicité. On est des... Oh. Quoi? Tout oui. Très bien. Peut-être que, pour être honnête avec vous, le fait d'être passé en facile juste pour une horde, peut-être que ça va totalement me retirer un trophée, je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais il y a moyen, hein. Vous savez, genre, terminer le jeu en facile, terminer le jeu en normal et terminer le jeu en difficile. Il y a, à l'époque où les trophées venaient de sortir, il y avait beaucoup ce système-là, très vicieux, mais il était quand même présent. Et ça fait que tu étais obligé de faire vraiment les jeux au complet dans 3 modes de difficulté. Là, je pense pas. Je pense qu'il y aura juste un trophée, terminer le jeu, point. Et après, s'il doit y avoir un autre trophée, ça sera terminé en difficile au pire. Mais je pense pas qu'il y ait en facile, en normal, en difficile et en très difficile. Ça m'étonnerait. Par contre, j'avoue qu'en facile, pour le coup, là, c'était vraiment très facile. Ça m'a pas empêché de mourir, mais j'ai trouvé ça relativement facile. Pas trop gênant, pas trop de... Enfin, on a bien plus galéré que ça, quoi. Il me faut un... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un petit cadeau de Ricky. Je peux toujours pas faire de moto,
Mais au moins, je peux passer ces maudites vitesses. Waouh! Regarde-toi par là-bas! Ça roule. Je pense que ça suffira. Ok, ensuite. Le créosote. Je t'appelle dès que je suis prêt. Où tu comptes trouver plusieurs centaines de litres de créosote? Vaut mieux pas que tu saches. Ok, protéger le camp, 100% Iron Mike. Et point de compétence. Étant donné que c'est Noël passé, on va pouvoir se mettre les points de compétence. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Augmente la récupération initiale et la durée des cocktails de santé. Ça me paraît pas mal. Augmente largement le taux de récupération de l'endurance. Vous redonne un peu d'endurance quand vous recevez des dégâts. C'est pas mal ça. Ça j'aime bien. Et j'aime bien l'autre aussi finalement. Celui juste en dessous. Eh ben on va le prendre. L'endurance c'est tellement sacré. Donc comme ça dès que je prends des petites patates mon pote, je vais pouvoir cavaler mes grands morts. Et ça va... Ah oh putain sa mère. Oh. Dick, faites pas ça. Je te parle. Ricky, je vais faire un arrêt. La milice. Quoi? Où ça? Boozer pense qu'il prépare une nouvelle attaque. Du coup, il voudrait que t'ailles jeter un œil. Saloperie de milice. Ouais, compte sur moi. Super. Je le dirai à Boozer. Terminé. Ok, nouvelle attaque de milice. Mission débloquée, n'est-ce pas? J'ai rien à faire là? Si, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Saint John? Copland pour Deacon Saint John. On a du taf pour toi. Salut, Copland. Ok, d'accord. Je passerai quand je pourrai. Terminé. Ouais, bah écoutez, on prend tout. On va d'ores et déjà, d'ailleurs, se fabriquer nos petits, nos gros Molotov au Napalm. Quand même. On n'est pas récupéré tout ça pour rien. Très bien. Je comprends pas, ma mission où est-elle? Elle est là-haut. Attendez, c'est fini? Bah c'est fini! D'accord, très bien les gars. Contre la montre scénario, c'était le dernier. Très bien, contre la montre. Et contre la montre aussi, on a localisé le camp. On a toutes les quêtes sur le chemin du retour. Bon, on va tout fouiller. Ouais, on est quasi rien venu foutre ici en fait. On a déposé le frérot et ça suffit. Voilà ce qu'on est venu faire. Bon, ça, je prends ça. Ça régale, par contre, ici. Hein. Ça régale de ouf. Hein. Ok. Eh bien, écoutez, on peut prendre la moto. Attendez. Attendez, j'ai pas fouillé ce petit bâtiment. Des familles. Il peut y avoir des choses intéressantes. À mon humble avis. Peut-être là-haut même. J'ai l'impression que tout est en bas. Putain, c'est quoi ce délire? Je me suis fait arnaquer. Putain, y'a rien, les gars, c'est abusé. Attends, hop, raccourci. Hop, avec cascade. Et ben voilà. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu des petits moments de frisson. Très bien, ça, c'est très très bien. Donnez, donnez, donnez. Donnez, donnez, donnez-moi. On peut fabriquer du molotov. Regardez. On peut faire une bombe tuyau. C'est pas mal du tout. Très bien, encore. Voilà. Ah là là, il y en a partout, c'est incroyable. En vrai, c'est magique. Allez, on prend la moto et on se casse. Direction la suite de notre aventure. Et je sais, je le sais, je le sais, je le sais, parce qu'on me l'a dit tout simplement. Je le sais que j'aurai l'ultime horde du jeu à faire à la Siri, donc bah, je le ferai, voilà, c'est pas trop un problème, mais par contre je le ferai en facile. Oh non. Tu déconnes? Ma moto est morte? Je savais que j'aurais dû apprendre à nager. Ah si j'avais su. Très bien. C'est pas le bon chemin.
Allez, on est parti, j'ai tout récupéré derrière. Cette fois-ci, bah, on va pas dans la rive, on va juste à côté. Oh, c'est tellement mignon. Et c'est très beau, c'est toujours aussi beau. Franchement, hop. Franchement, Days Gone reste vraiment, je trouve, une claque graphique, qu'on le veuille ou non. Vous mettez ça en 2K et vous ne pouvez qu'apprécier. Il y a énormément de points positifs dans le jeu. Il y a aussi quelques points négatifs que je trouve vraiment dommage. Par exemple, Deacon St. John, je sais pas, il devient charismatique, mais il faut trop de temps pour vraiment s'accrocher à lui. Et c'est dommage, ils auraient pu nous faire accrocher bien plus au personnage, bien plus rapidement dès le début du jeu. Là où, par exemple, The Last of Us, bah Joël, on est direct accro. Vous voyez, on est directement accro à Joël. Et là, voilà, il y a des points négatifs. Il y a des points négatifs. C'est ce qui fait que Days Gone n'est clairement pas le jeu de l'année. Ça reste un très bon jeu. Traverse. Ceci dit. C'est pas une bonne idée, même sans les bagnoles. Mais, attendez, 800 mètres. 800 mètres. Est-ce que ça vaut le coup de prendre de l'essence? Mais voilà, aller dessus, ça reste et ça a toujours été un réel plaisir. Manque de diversité aussi, mine de rien, parce que, vous savez, Horizon, par exemple, Horizon était prenant du début à la fin et c'était mon let's play le plus long jusqu'ici. Maintenant, je pense qu'il va être remplacé par Days Gone, mais Horizon, pas une seule fois, j'ai eu l'idée, par exemple, de repasser en mode facile juste parce que c'est trop, tu vois. Là, par exemple, je suis repassé en mode facile parce que là, je suis en mode... Attends, je descends là. Voilà, vas-y, tire-moi dans le dos. Allez, ça dégage. Hein. Mais Mais voilà, vous avez compris l'exemple. Oh non, ils sont déjà revenus, sérieusement? N'importe quoi. À quel moment vous revenez comme ça, les gars? C'est pas Disneyland. Abusez pas. Oh la vache, expéditif. Ok. Ok. Très bien, un gars en moto. Bon les gars, je vais pouvoir récupérer Je recule, je veux un tir de couverture. Ouais, arrête. Nous transmettrons la parole de Carlos. Allez, dégage. Pas le temps pour vos conneries. Donc, Days Gone, pas une seule seconde, je me suis dit, oh, c'est chiant, on va repasser en facile parce que c'est pas une phase de gameplay qui m'intéresse de ouf. Et là, malheureusement, Days Gone, de tous les let's play depuis 10 ans que ma chaîne existe, c'est la première fois de ma vie que je suis en mode, bah là, c'est la fin de jeu, mais c'est trop. Vous nous mettez des hordes pour aucune raison, pour récupérer un baladeur MP3, pour libérer le passage, tout le temps, voilà, toutes les hordes, on se les mange parce que ça rallonge la durée de vie. Et ben ça m'intéresse pas, j'ai pas acheté Days Gone pour ça. Vous allez me dire, ouais mais B-Boy, attends, c'est un peu con ce que tu fais, les hordes, c'est ce qui rajoute la difficulté, c'est le sel même du jeu. Je suis un peu d'accord là-dessus, mais c'est... Les premières fois on a assez galéré et tout, voilà, c'était bien drôle. On l'a recommencé plus de fois. Quoi? Non mais attends. C'est une blague ou quoi? Et vous sortez d'où? Il y a un snake, c'est n'importe quoi, il y a rien qui va. Mais les gars, c'est ridicule. Le sniper qui m'empêche de... Non, c'est n'importe quoi. Alors là, cette scène... Il y a un sniper, il laisse la meuf, tous ses potes peuvent mourir, mais c'est pas gênant. En fait, ils mettent pour mettre. C'est mon plus gros reproche, voilà. Les hordes, ok, c'est drôle. La dernière fois, j'ai fait 2h30 de record. Voilà, c'était drôle, super, pour réussir cette horde. Mais là, on est à la fin du jeu. Et pour moi, en tant que joueur, et aussi finalement en tant que youtubeur, parce que je vous retransmets les aventures, eh bien, c'est trop. Voilà un des principaux défauts. Là, c'est du trop.
Mais il y a quand même, ça efface pas tout le positif du jeu, que je trouve toujours, toujours aussi incroyable. Hop, voilà. Et ben c'est pas grave, on se refera. Oh non, abuse pas. Mais, c'est pas ce délire. Fils de pute. Voilà. Donc voilà, c'est l'histoire de ma vie. Prendre ma race pour rien alors qu'on était passé ici juste avant et qu'on avait tout nettoyé. D'habitude dans Days Gone ça ne réapparaît pas, mais là c'est la fin du jeu. Toutes les excuses sont bonnes à sortir. Bah attendez, hein. Quitte à avoir pris ma race, je vais quand même voir s'il n'y avait pas des soins par ici. Alors, évidemment, il n'y en a pas. C'est pourtant évident, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Quel dommage. Allez, je me tire. C'est bon, ça m'a assez saoulé. Hein. Ça m'a assez saoulé. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Alors évidemment, on refera un autre récap lors des crédits finales. Mais voilà, il y a du positif et il y a du négatif. Le négatif n'efface pas le positif. Le positif n'efface malheureusement pas pour le coup le négatif non plus. Mais voilà, en 10 ans de carrière, c'est la première fois où je suis en mode bah les gars, j'ai juste envie de m'amuser. J'ai juste envie de finir le jeu pépère. Les hordes, c'est sympa, mais faire 3 heures par horde jusqu'à choper le coup de main, c'est pas. Voilà, je m'en passerai sur ce jeu-là. Sur un Horizon, ça m'aurait sûrement moins gêné, parce qu'Horizon a apporté vraiment une touche incroyable. Horizon, waouh! Les amis, franchement, si j'ai un regret par rapport à Horizon, c'est de pas avoir pu le faire en 2K. Une escouade entière. Il faut faire gaffe. J'ai vu ça. Allez, change d'arme! Putain! Putain, mais c'est horrible! Y'a rien qui va, des fois! Putain, t'es là en mode gros, tu galères! Quoi? Aïe 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 aïe, putain! Bah je savais pas que la milice était aussi proche du point. Petit GM, petite cinématique, un petit truc. Bah là non, hein, mes couilles. Hein. Très bien, ça rajoute de la difficulté. Et ça me déplaît pas ce genre de phase. Mais oui, un regret à avoir au sujet d'Horizon, c'est de malheureusement ne pas avoir pu le proposer en 2K. Parce que, encore une fois, quel jeu. Quel jeu Horizon. Vraiment. C'est du lourd. Très bien. Voilà. El famoso bug. Y'a rien qui va. Quoi? Ah, j'ai eu peur. Putain, ça passe en travers, vraiment. Ok, je sais que je dois viser la tête quand j'ai retiré le casque, hein, les gars. On va bien le dire en commentaire au bout de 38 épisodes. C'est capté, c'est juste que là, j'ai plus de concentration. Allez, dépêche-toi de recharger. J'ai plus de concentration, donc aïe aïe aïe. Putain, la précision redoutable de cette arme. Il vise super bien, les mecs, hein, c'est terrible. Oh là là, bah ouais, mais je suis pas en sécurité derrière des barricades. Voilà, vous... logique, hein, c'est en bois. Au contraire, c'est même bien pensé pour le coup. Voilà, hop. Y'a pas qu'un BC, hein. Y en aura deux. Allez. Voilà, c'est bon, ça commence à me casser les couilles, ces histoires. C'était le dernier. Bon. Le camp de Copland a été attaqué. Attendez, les gars, putain, laissez-moi respirer. Ils veulent pas, hein. Ils veulent ma mort. Alors, qu'avons-nous ici? Tiens, tiens, tiens. Je pourrais un petit chiffon. Bah oui, on pourra faire des choses, t'inquiète pas. Par contre, là, j'avoue, je commence à manquer de soins. Là, ça commence à devenir un peu redoutable, cette histoire. Hop, on va tout fouiller vite fait. Stérilisant, c'est pas mal, ça. Hop, voilà. Ça, on va prendre.
encore une... Putain, avec des bouteilles, ça c'est très bien par contre. C'est très bien pour faire les molotovs. 5 bouteilles de bière, mais c'est énorme tout ce qu'il y a. Ok. Bon, au moins, ils sont pas cons. Ils vont pas dans la facilité. Ils trop font. Là, dès qu'on finit une tuerie, entre guillemets, ils te remettent un max de stuff et tout. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal pour le coup. Féliciter le move. Ok. Allez. On va récupérer les munes. Toujours des munitions dans une voiture de police. On prend la route et direction la suite. Voilà. Allez, c'est parti. On a eu chaud, hein. On a eu chaud, hein. On a dû s'y prendre à deux fois, mine de rien. Et là, vous avez vu, ils ont donné les munitions. Je pense qu'ils sont, ils sont pas cons, entre guillemets. Ils ont donné les munitions qui vont être suffisants pour la prochaine phase de gunfight. Attends, tu m'emmènes où, là, frérot? Oui, on est bien d'accord. Oh, je piche pas. Je piche pas parce qu'ils me disent d'aller à droite, mais... Bêtant, ça, non? J'ai pas compris le projet, les gars. Un problème sur la map? Oh, c'est chiant, putain. Je vais rien dire. Pas un problème sur la... Attends, hop. On va réparer ça. On en récupérait pas mal de ferraille. On va faire les radins non plus. Allez. C'est le sapin tueur, celui-ci. Hein. Et joyeux Noël. Hein. Mais il y a beaucoup de biches, là, bizarrement. On en avait pas autant. Un teint qui traverse. La circulation doit plus tellement te faire peur, toi, hein. Mais... Ça m'emmène nous, là. Waouh! Non mais attends, le camp est attaqué, mais je comprends pas pourquoi je vais pas juste faire ça en fait. C'est ridicule, non? En plus, c'est des quêtes principales, bah oui. N'importe quoi. Pourquoi pas faire ça? Bien sûr qu'on va détrôner détrôner les milices pour aider... C'est ridicule de partir. Hop, j'ai pas eu le temps, hein, désolé. Ok. Baisse de framerate, ok, calmez-vous. Cette putain de milice. Ah, montrez squad. Encore une mauvaise idée. Bah oui, mais... Aïe, aïe, aïe. On va arrêter de trouver des excuses. Mais c'est vrai que c'était un peu boubourse de ma part. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit dehors comme ça. Quel effet de surprise. Choqué, pas déçu. Ok. Tiens. Connard de milicien. Ça y est. Oh bah la précision de ce bordel, putain de merde. Ok, let's go. La loi, c'est moi. Nettoyer le camp. Il y en a que 9, hein. Un enfer. Ok. Très bien. On va rester un petit peu caché. 3 sur 9, c'est pas mal. Attendez, oh là là, je prends ma race de ouf. Fabriquer. On va utiliser ça. Un bon gros cocktail de santé. Voilà. Et ils sont ultra résistants. C'est faux. C'est trop. C'est n'importe quoi!
Alors. Ça, c'est épinglé ouais. Contre le mur. Hein. C'est pas trop tôt, saloperie. Casque, casque, casque. Oh, ils ont tous des casques. Toc. Ça, c'est pour moi. T'en fais ce que tu veux, frérot. Hop, ça, c'est pour moi, les gars. Ça, c'est pour moi. Hop, ça, c'est pour moi aussi. Hein. Vous en faites ce que vous voulez, les gars. C'est cadeau. Voilà, ça, c'est pour moi aussi. Voilà. Ok, c'est bon. Allez, ça dégage. Là, je commence à en avoir ras le cul. Et toi, mon frérot, voilà. C'était donc, tu ramasses très rapidement. Ok, elle est butée jusqu'au dernier. Oh, je suis très énervé. Hein. On va aller faire le dernier camp. Et après, je pense que c'est clairement la fin du jeu, à mon avis. Avec les dernières milices. Ah, voilà. Regardez, regardez. Ah, on l'entend plus, hein, leur grande gueule, hein. Par contre, j'avoue que la chichi, j'aime bien l'appeler la Chicago, elle est vraiment imprécise pour le coup, c'est assez terrible. Donc j'hésite avec la M4, mais M4 moins puissante. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie, et vu que je sais pas, eh ben, on va continuer avec la chichi. Ok, on peut pas entrer dans cette maison. C'est parti, dernier camp, et on mettra fin à cette vidéo. Et après, ce sera peut-être l'épisode final. Let's go, le dernier camp est juste à côté. Ah mais là on va vraiment les tuer jusqu'au dernier pour le coup hein. Je suis énervé de ouf hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh oui non, d'accord ça va, calme-toi frérot, respire aussi. Respire manuellement, ça va pas du tout hein. Ok c'est par ici. Allez on y va. Dernier camp de milice. On désingue tout ça et on va pouvoir s'arrêter là. Épisode très riche en action, littéralement. Et pas mal d'échecs aussi de notre côté. Enfin, j'ai utilisé quasi toutes mes bombes, par contre. Ça m'a coûté cher, cette connerie. Allez, on va se caler ici. C'est pas mal. Ok. La milice, bordel. En voilà d'autres. C'est tout ce que vous avez. Ouais, attends, c'est pas mal, ça, déjà. Ça, frérot, abuse pas trop des bonnes choses, hein, quand même. Ok, 0 sur 8. Et pour l'instant, j'en ai 6. C'est embêtant. Où sont cachés les autres? Ouais. Alors. Hop, ça, on le remet. Est-ce que je peux me faire des petites bombes tuyaux? Bah oui, on adore les bombes tuyaux ici. Ah. C'est quoi ce bruit? Soda! Je sais que tu t'es planté pas loin. Ok. Dommage, pas touché. Une blague ou quoi? Ok, un en moins. Nickel. Je suis repeint. Ok. Hop, attends, frérot. J'ai plus de balles, là. Wow! Il m'a fait tellement peur. Ok. Et ben on va y aller à... avec la petite arme. Abuse pas toi. Ok. Très très bien. Et ben voilà, j'ai pas l'impression de le toucher. Alors mon frérot, qu'est-ce que je te réserve? Bon allez, tu sais quoi? T'as été gentil à Noël? Attends, hop. Pardon? Voilà.
Bon, vous avez... Ouais, vous avez été gentil, j'ai confiance. Allez! Nouvelle attaque de milice! Camp d'Iron Mike, ça monte, ça monte, ça monte! Bon, par contre, j'ai plus une seule fichue balle. Oh, une arme qui bug. Comment on va faire? C'est fait. Super. Je le dirai à Boozer. Terminé. Eh ben, c'est parti. 1 kilomètre à faire. 1 kilomètre à faire. Vous savez quoi? Eh ben, on va prendre toutes les munitions que j'avais dans le coffre de la moto. Je pense que là, c'est peut-être le moment. Hein, on va pas se mentir. Parce que là, ça commence à craindre un petit peu. Allez, c'est parti. Allez! On est full munitions. Il reste une quête à faire qui est normalement appelée. Le camp de Copland a été attaqué. Protéger les plus faibles. Eh bien, on va le faire, évidemment. Le devoir m'appelle. J'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et prochaine vidéo, on ira attaquer le dernier camp. C'est-à-dire celui de Copland, celui du tout début du jeu qui s'est fait aussi attaquer par la milice. À bientôt tout le monde, portez-vous bien. Ciao, ciao.